Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Avant tout, merci pour vos commentaires et vos encouragements. Aujourd'hui, je vous propose un petit top à paillettes. Bien sûr, vous pouvez changer l'empiècement, mettre de la dentelle ou de la résille, comme vous le souhaitez. Je commence par enfiler un t-shirt sur l'envers, un t-shirt qui me va bien, et je marque le bas de mon empiècement. Je le plie ensuite en deux sur un autre t-shirt ou bien sur un tissu plié en quatre. Je dessine les contours. Je rajoute quelques centimètres sur le bas du côté car je souhaite donner une forme trapèze à mon nouveau top. Je redessine les emmanchures de forme américaine et je coupe le tout. Maintenant, je vais travailler mon empiècement devant. Je reprends mon t-shirt référent, je le positionne sur une partie du tissu, je dessine le bas de l'empiècement et je redessine à la craie la forme de l'empiècement que je souhaite donner. Si vous ne savez pas comment positionner votre tissu, coudre la maille, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai plein d'astuces à vous donner. Je prends ensuite mon empiècement haut, je le dépose sur mon tissu plié en deux, donc ça peut être soit de la dentelle, de la résille, à votre choix. Je l'épingle par contre et ensuite je coupe. Donc au niveau du bas, je laisse 1 cm et ensuite je coupe tout autour de mon empiècement sans laisser d'espace. Je redessine mon encolure devant, je laisse 15 cm et je coupe un bel arrondi. Et voilà, mon empiècement est prêt. Je prends ensuite le bas de mon top et j'épingle le tout sur l'envers. J'assemble le tout ensuite en piqûre zigzag, donc un point dans le tissu, un point dans le vide pour avoir une jolie finition. Je renforce ce zigzag d'un point droit et je surpique de la valeur du pied de biche. Cela permettra au tissu transparent ou à la résille de ne pas bouger une fois que le modèle sera porté. Pour personnaliser mon modèle, je pose mon tissu à paillettes sur le devant et j'épingle. Pour cette partie, je laisse libre cours à votre imagination. Je replie que le bord où il y a la lisière, le reste j'épingle à plat. J'assemble en point zigzag. Ensuite, j'assemble mes deux parties par les épaules. J'épingle avant tout mes épaules. J'ai réalisé une piqûre droite et une piqûre zigzag, comme pour l'assemblage de la parementure devant. Ensuite, je vais poser mon biais, je l'épingle avant tout, j'épingle mon encolure, je laisse quelques centimètres en plus parce que je vais commencer par assembler les deux parties du biais pour avoir aussi une jolie finition. Je pose le biais sur les emmanchures et je passe à la piqûre. Donc comme je vous le disais précédemment, j'assemble avant tout au niveau de l'encolure le biais avant de le coudre au niveau du pli. Une fois que j'ai fait le tour de mon encolure, j'ouvre la couture du biais, je la mets bien à plat et je replie.
et je surpique mon biais à quelques millimètres du bord. Une fois que le biais est posé sur mes emmanchures, je ferme les côtés en les épinglant et j'assemble en piqûre droite et en point zigzag. Et voici le rendu au niveau du bas de l'emmanchure une fois le tout assemblé. Et voilà, mon nouveau petit top est prêt. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires, à vous abonner. Je vous souhaite une belle couture et à très vite !